Comment trouver des produits maintenant qu'on a vu comment les vendre en affiliation? Comment on va pouvoir trouver nos produits sur Internet pour les vendre en affiliation? Donc là, pour ça, on a plusieurs plateformes que je vais pouvoir te présenter tout de suite qui vendent du coup un catalogue, enfin qui proposent un catalogue gratuitement de produits. Et ces produits, on va pouvoir du coup les prendre et on va du coup récupérer un lien qu'on va proposer sur nos sites, sur nos tunnels de vente, comme je t'ai montré. Et grâce à ces tunnels, eh ben, on va pouvoir convertir et à chaque vente, on va gagner un pourcentage de chaque vente avec l'affiliation. Cette première plateforme, c'est un TPE. Sur un TPE, si tu ne connais pas, tu as un maximum de produits avec le catalogue. Catalogue qui est juste là. Tu as tous les produits, hop, les catégories, donc que ce soit professionnel, santé, beauté, nature, famille, maison, informatique, internet, argent, travail, publicité, jeux, divertissement, culture, achat, shopping. Il y a moyen de trouver quand même des produits qui collent dans ta niche. Donc on va regarder ça ensemble. Si on prend par exemple tout ce qui touche à argent, travail, voilà, comme pour moi ou comme pour toi si tu es là, on veut faire gagner de l'argent. Formation, banque, investissement, création d'entreprise. Moi, si je vais gagner de l'argent, je clique dessus. Là, il va me proposer tout ce qui correspond à gagner de l'argent. Donc là, un TPE, il va me donner voilà, des trucs sur sondage rémunéré, si j'ai du foot, avec les paris sportifs, le turf, donc c'est les paris hippiques, protocole 65 euros chaque jour. Si je veux regarder ça, je clique dessus, là il m'ouvre la page de vente. Découvrez la manière la plus simple de gagner 65 euros tous les jours sur Internet. Ok, je ne sais pas trop ce que c'est, là j'ai une page de capture, bon je vois autre chose. Je ferme. Là j'ai du turf et tout, moi j'ai pas trop envie de faire ça. Avis, sondage rémunéré, je clique dessus. Réseau, avis consommateur. Bon déjà elle est un peu longue à charger. Clubsondage.com. La page elle est un peu grosse. Bienvenue sur un réseau d'avis. Je m'inscris. Là, apparemment, c'est des sondages rémunérés. Il y a une vidéo de présentation. Ouais, la page elle est pas ouf. Hein. Je suis pas fan. J'aimerais bien trouver une bonne page. Bon, par exemple, 70 idées de business sur Internet. Ok, ça me fait PC depuis son domicile. Tac, tac, tac. Bon, ça a changé ma vie. Là, c'est un e-book avec 70 idées rémunératrices. Donc là, il me présente sa page. Moi, si j'ai envie de faire la promotion de ce produit-là, 70 idées, il est à 28 euros. Je gagne 28 euros par vente. Je clique là sur le petit onglet. Je clique sur le petit onglet. Le produit coûte 41 euros. J'ai 70% de commission sur ce produit. Il y a eu, ça aussi c'est un indicatif, il y a eu 301 ventes, 301 affiliés qui a fait la promotion de ce produit. Il y a eu 301 ventes pendant les derniers mois. Donc, c'est quand même un bon indicatif. Il y a des produits qui n'ont jamais été vendus. Donc, je me dis, ben, ce produit peut être intéressant. Je peux copier le lien, ou alors je prends directement pour la page de paiement si c'est quelqu'un que je connais. Si c'est quelqu'un que je connais pas, je prends le lien d'affiliation. Hop, je le copie. Et quand je le colle, et ben, la personne va arriver directement sur la page de capture sur laquelle j'étais. Et si la personne achète via ce lien, comme pour l'affiliation, et ben, je vais avoir la commission. Ça va arriver sur mon compte. On va les affiliés, les profils, hop, ça va arriver là-dessus. Avec là, du coup, j'ai mes affiliés, ça va aller là-dessus avec les clics. Et là, on va avoir les transactions qui vont afficher. Donc là, on voit qu'on peut aussi mettre des produits en vente. On voit le nombre d'affiliés qu'on peut avoir à la plateforme. En parlant d'affiliés, je vais te mettre tout de suite mon code dans la description pour ouvrir un compte 1TPE. C'est totalement gratuit. Et tu peux avoir accès à tout le catalogue pour justement faire de l'affiliation gratuitement, tu as accès à tous les produits, tu trouveras forcément quelque chose en rapport avec ta niche.
Deuxième plateforme, c'est Givezo. Givezo, c'est beaucoup plus avec des produits, des logiciels, beaucoup plus infopreneurs. Ça va être quelque chose qui est aussi anglais, américain, anglophone. Mais du coup, c'est plus des gros produits. Ça va être plus compliqué de vendre ça en France, sur le marché français. Tu peux vendre ça du coup sur le marché anglais si tu as les bases, si tu as les clients aussi. Mais c'est plus compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer c'est des logiciels, c'est des tunnels de vente, c'est récupérer les produits et les traduire ou traduire les pages pour les rediriger en France. Ça peut se faire aussi. Givezo, je te mets aussi dans la description. Regardez comment ça marche. Ici, tu as les top sellers, donc les plus vendus aujourd'hui, les plus vendus hier, les plus vendus la semaine dernière. Et là, c'est les 30 derniers jours. Si je prends les 30 derniers jours, je regarde celui-là, je clique dessus. Donc là, il m'ouvre la page de vente. Je vois que c'est un créateur de vidéos 3D. Hop, là, j'ai une vidéo de présentation. Il coûte 300 dollars. Derrière, j'ai des upsells, j'ai tout ça. Enfin, là, c'est vraiment des usines à gaz, c'est vraiment des logiciels. Mais moi, dessus, j'ai fait très peu de ventes parce que j'ai pas le marché. Je vais essayer un autre. J'ai pas le marché sur Givezo. Alors, ici, ce que enfin, une laser, t'as un lead. Donc, là, pour trouver des leads automatiquement, donc sur internet, hop, en trois étapes. Donc c'est un logiciel qui va trouver ça tout seul. Donc t'as une grosse présentation d'une heure. Donc là, ce que je te disais, pourquoi pas faire un tunnel de vente où tu reprends cette présentation, tu la traduis, et du coup tu t'adresses à des Français. Pourquoi pas? Et du coup, c'est un produit qui vaut, si j'avais trouvé. Upgrade. Après, voilà, les upgrades à fond. Voilà, pareil, 300 dollars. On peut l'avoir à 147. Donc, par contre, c'est vraiment une plateforme qui vaut le coup parce que c'est vraiment des gros produits. Mais par contre, voilà, faut réussir à avoir les clients qui sont en face. Mais Givezo, très très grosse plateforme. Il y a vraiment moyen de faire des gros résultats avec. Je te le mets aussi dans la description, juste en dessous. Une autre plateforme, c'est Affilae. Affilae, par contre, là, ça va être plus des produits et des services. Il y a quelques services. Ici, tu vas pouvoir aller donc, du coup, sur la marketplace. Tu crées aussi ton compte, c'est gratuit. C'est des programmes. Tu peux devenir affilié forcément de la plateforme. Tu vas pouvoir faire rechercher par catégorie, par pays. Ici, on va mettre la France. Et après, donc, tu as toutes les catégories. Donc, adultes, tu as déjà information, adultes, animaux, mobile, assurance, B2B, des jeux concours, des cadeaux, de la musique, maison, jardin, ordinateur et console, rencontres, SAS, sport et loisirs, voyage, vêtements, accessoires. Si tu es dans le voyage, par exemple, donc, si je clique voyage, le mot est 24 heures du monde, bagage officiel. Mondial Care, Fine Week, Chili, Imagine Canada, Campings, Yes Cap, List, Rapid Visa, et là il y a plusieurs pages. Hop, je remonte. Alors est-ce qu'il y en a un comme ça qui pourrait être intéressant? Je vais regarder un petit peu Gringo, je vais regarder un petit peu les commissions. Est-ce qu'il y en a déjà que je connais? Des vignerons là-dessus, expérience dans les domaines viticoles des Français, dégustation, visite, atelier. Si je clique dessus, je vois que j'ai 30% de commission. D'accord, ça me mène en bas, ça m'explique. 30% de commission sur les ventes. 30 jours de tracking, 1 jour de carence. Paiement à partir de 20 euros. Mode d'attribution, partage. Hop. Donc là, il se présente. Donc c'est des pays, des vignerons dans le pays, 300 domaines et tout. On peut aller voir le site.
aller voir le site, c'est là, je crois. Ouais. Donc là, j'arrive comme ça sur le site. Donc là, c'est tous les vignobles de France. Si je suis une entreprise ou une personne qui fait la promotion, qui travaille, qui peut faire la promotion de ce type de service, ça peut être super intéressant. Parce que du coup, j'ai 30% sur ce type de produit. On va voir combien ça coûte, par exemple, une visite d'un vignoble de Champagne. Et à mon avis, ça peut être intéressant. Bon, je m'égare un petit peu, mais... Voilà, non, pas tant que ça pour les activités, 30 euros. 30 euros l'activité, là, est-ce que ça coûte personne? Pas, je sais pas. Bon, ok, bon, à voir. Bon, à savoir que du coup, voilà, c'est possible comme ça, 30%. Ce qu'il y a par contre sur Afilae, c'est qu'il faut postuler au programme. C'est-à-dire qu'il faut se créer un... Il faut se créer du coup un profil en disant ce qu'on fait, mettre le lien de son site. Et après, il faut postuler au programme et ça va être la plateforme qui va dire si on peut faire la promotion de ce programme ou pas. Et il peut nous refuser l'accès au programme. Donc ça peut aussi être un problème. Voilà. Donc Afilae, c'est aussi intéressant parce qu'il y a aussi de bonnes plateformes qui peuvent aussi très bien payer. Donc là, j'ai pris voyage, mais est-ce qu'il y a... Voilà, c'est quelque chose qui peut aussi très bien payer. Là, voilà, le lead, par exemple, 25 euros. Vente, 20 euros, 35 euros le lead. Voilà, 15 euros, 15 euros le lead. Là, il y a vraiment des bons trucs sur Afilae. Et dernier, ça va être la marketplace de Systemio. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je t'invite à aller la voir. Du coup, c'est la marketplace. Là, il y a vraiment aussi les 60 à 70% de commission sur des programmes. C'est juste incroyable ce qu'on peut trouver. Donc là, bien choisir ta catégorie. Et derrière, si je veux faire la promotion, par exemple, de logiciel ou de formation, et bien derrière, je peux avoir, voilà, par exemple, 50% sur des 1200 euros. C'est-à-dire qu'en un lead, je peux faire plus de 600 euros de commission. C'est juste incroyable. Donc voilà, bien choisir son programme, surtout bien choisir un programme dans lequel on est ciblé. Pas faire des commissions pour faire des commissions, il faut vraiment se cibler sur quelque chose pour pouvoir vendre, quoi. Pas balancer toutes les semaines quelque chose sur ses prospects, sinon bah, c'est sûr que ça ne va pas les intéresser. Donc voilà, pour trouver des produits à vendre, maintenant tu as 4 plateformes, je te les mets toutes dans la description. Et n'hésite pas, je te dis à bientôt. Tu peux bien sûr t'abonner et me suivre sur tous les réseaux. Ciao!